Yo les gens, c'est Bofi, on est aujourd'hui en compagnie de Dopido. Nous allons affronter dans 10 épreuves les dieux afin de prouver que nous sommes le meilleur duo. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez. L'épreuve des dieux. 3, 2, 1, go. Il y a plus de mais... Ah si, merde. On va essayer plusieurs fois. Hein. Vas-y. Et on floude. Je crois que floude c'est la bonne solution, mais... Bah quoi voilà. L'épreuve d'Hermès. Il fallait flouder, ok. C'est un vieux truc. Bah... Là, il reste. Si j'appuie sur le 3. Ah ouais, mais en fait, on n'a pas à se faire chier. En fait, il disparaît tout de suite. Ok. En fait... 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. C'est bon. À moi. Ok. C'est la même épreuve. Attends, ça c'est le 1. Ouais, c'est le 1. Attends, je vais dessus. Go! Nice. Go! Nice. Ouais, ça va. En fait, ils étaient pas à timer, donc ça va. Ouais. L'épreuve de la Gorgone. Ouais, Gorgone. T'allais dire quoi? Là, je disais de la merde. Ah, moi, je dois allumer des flambeaux. Ouais, j'ai deux cubes lumineux de deux couleurs de... Ok, j'ai plusieurs cubes, en fait. Attends, moi, j'allume... Ah, j'ai des chiffres. Ok, j'ai des chiffres. Le premier, c'est le rose. Ok, faut que je trouve le rose, ça va bien. Ouais, je pense que tu dois trouver un truc rose et tu dois l'allumer. Ok, lui, il est vert. Ouais, orange, je l'ai, vert, je l'ai. Ok, et le rose est allumé. Ok, attends. Ok, bon, t'as allumé le rose. Le deuxième, c'est le vert. Ok. Vert est allumé. Ok, ok. Le troisième, c'est le bleu. Ok, bah le bleu c'est forcément lui. Et après, et c'est l'orange. Ouais. Et go, l'épreuve d'Athéna. Putain, on gère de fou. Ok, checkpoint. Qu'est-ce qu'il faut faire chez Athéna? Ah, ah, ici, il y aura un truc. Coucou. Non, je veux pas te voir. Il me faut. C'est quoi, c'est un flambeau ça? Moi, il me faut de la popo. Moi, je sais pas ce que c'est. On dirait. Un peu une pioche avec de la viande au bout, je sais pas. De toute façon, dès que je trouve un objet, c'est forcément pour toi. Ouais, c'est ça. C'est plus simple. Ça va être un peu un objet magique, je pense. Faut taper sur des... Ah, un bleu vajon. Attends. Ah, moi, je peux faire un mélange d'objets. Il me faudrait des bandages et un poisson. Ah, j'ai le poisson. Tu tapes... moi, il y avait un œuf. J'ai tapé sur l'œuf, ça m'a donné un bleu vajon. Thanks. Et là, je le mange, j'ai niqué le truc. Moi, ce serait genre peut-être la peau. Ah, attends, il y a une. Comment? Ah, c'est bon, j'ai trouvé les flammes. Voilà, c'est de ton côté. Trouvé les torches. Oh là là. Ok. Comment ça, des flammes? Ah, peut-être c'est ça que j'avais besoin. Ah oui. Truc des potions, fais chier avec sa potion lui. Ah bah c'est bon, je l'ai. Elle était où? Il fallait taper sur un cercueil. Putain, je te dis, t'as pas un truc bizarre et les gars ils tapent pas. Bah c'est pas bizarre, un cercueil dans une bibliothèque. Une potion. Moi je vais la boire ta potion, tu vas rien comprendre. Tu vas pas lâcher. Mais elle est trop loin. Si ça chipote. Moi aussi je vais la boire, tu vas rien voir. C'est toi qui est bloqué, c'est pas moi. Ah, c'est ouvert. Let's Allez. Go. Du coup, on a l'épreuve d'un labyrinthe. En tout cas, moi j'ai un labyrinthe de mon côté. Ok, ouais, moi aussi. Et j'ai des lumières. Ouais, des torches que tu peux allumer. Qui sont déjà allumées. Ah, moi je les allume. Ok, lire. Hadès. Ensuite, tu prends à gauche. Attends, j'ai un mot là, c'est Hadès avec le chiffre 3. Okay. Et après, tu prends à droite et t'as le dernier flambeau et c'est tout droit. Ah, y'a un truc là. Lire. Zeus. Hadès, Zeus. T'as un truc, un. Non, Zeus, c'est le numéro 1. Ok, j'ai une lettre. Poséidon. Attends, t'as allumé un truc là. Poséidon, c'est 2. Oui, mais ça, on le savait. Mais ça fait un tirin. Ah, attends. Là, je peux parler à Zeus. Poséidon, j'ai appuyé. Non, c'est pas
j'ai appris ça. Ah, tu m'as activé un truc. Bah c'est bon, ça a ouvert un chemin. En fait, il faudrait que t'évalues sur un papier chaque son. Ça c'est le A. Ouais. Ça c'est le D. Ça c'est le D. Moi je pense que le D c'est la première. Oui, c'est le. Parce que regarde, t'as fait ça. C'est la même, c'est D. D c'est la première. D c'est sûr. J'ai pas compris. En fait, peut-être qu'il fallait le faire super vite au niveau des statues. Bon, du coup, le code c'était bien D, F, G, A. Ça c'est bon. C'est juste que t'étais trop lent. Ouais, c'est ça. En fait, faut aller super vite pour le faire. Yes. L'épreuve de Cerber. Pour ouvrir la porte, il vous faut répondre à mon énigme. Plusieurs voyageurs ont essayé d'y rentrer. Certains en sont parvenus en trouvant la réponse. Cerberus lui dit 6. Le voyageur répondit 3 et il continua son chemin. Cerberus lui dit 4. Le voyageur répondit 2 et son chemin s'arrêta dans le ventre de la bête. Ok, moi j'ai les 1, 2, 3, 4. Moi je pense qu'il avait divisé par 2. Genre il a fait 6, il a divisé par 2, ça faisait 3. Ça a marché, après il a réessayé avec 4 divisé par 2. Mais ça marchait pas parce que. Oui, mais parce qu'ils sont 3, donc faut toujours leur donner plus. Ou Ah, peut-être que tu veux dire. Ouais, peut-être que. Ok, j'ai. Oui, t'as raison. Il a dit 2, mais du coup, vu qu'il y a 3 bêtes, bah il y en a un qui l'a mangé. Donc 5. Attends, si. Voilà. L'épreuve d'Ali. Si, c'était 5. C'est 5. C'est... En gros, il est au milieu. Ouais, il est au milieu. Comme mais ça, tout le monde y gagne. Pourquoi pas 4? Non, mais regarde, il dit 6, tu dis 3. Il dit 4, tu dis 2. 2, t'es mort. Alors que si tu dis 5, il peut plus descendre. Allô? User in your channel timed out. Yes! L'épreuve d'Hadès. Nice! Bon. Numéro 5, numéro 5. Ouais, ça, c'est notre. Du coup, moi, je suis dans une cuisine, en quelque sorte. On dirait là un peu... Ouais, je sais pas. On dirait que ça fait un peu... Non, peut-être un truc du forgeron, là. Je sais pas comment on appelle ça. Une fonderie? Non, c'est pas une fonderie. Mais je suis dans la pièce du forgeron, moi. J'ai des coffres, j'ai des flèches. Attends, comment je suis monté? Oh! Ok, en fait, je suis en train de faire un mélange. Oui, mais tu m'actives plein de pièges. Sorry, c'est pas grave. Ok, c'est moi, je dois jumper quelque part, mais attends, comment je jump? En fait, je suis en train de construire quelque chose. Ouais, t'es en train de me rendre la partie plus difficile. T'inquiète. Mais attends, comment j'étais monté? En gros, là, tu m'as activé des pièges laser. T'inquiète, ça vient ça. Mais oui, on m'en a activé plein là. Attends, j'ai en train d'essayer de trouver. C'est quoi ce jeu? On est obligé de s'entraider ou s'entretuer là? On se dit faut se tuer hein. Comment ça? Oh là là. En plus je sais pas comment j'étais. Qu'est-ce que je peux récupérer? Ok, j'ai construit une clé je crois. Ouais bravo. Ok, tu m'as ouvert le trône. Allez, je crois que. En fait je crois que. Qu'il fallait que tu m'aides à construire, mais je sais pas, j'ai trouvé les trucs. Mais mec, il y a des lasers de ouf. Ouais, moi aussi, je les vois. Attends, c'est... Mais je meurs, en fait. Ah, t'es à l'intérieur. Moi, je suis sur les barreaux, sur les côtés, je te vois avancer. Ouais. Nice, l'épreuve de Zeus. Alors, attends, tu peux... C'est bon, c'est calme. Waouh. Ah, mais c'est à côté. Ça, c'est cool. Attends, je suis... Je crois que t'es au-dessus de moi. C'est moi qui te contrôle maintenant, c'est qui le patron? Oh, dès que je vais te remettre. Attends. Ne touche à rien. Ok. Ah, t'as touché. Mais oui, mais moi je te propulse, c'est à toi de oui, en mais fait, c'est à moi de te faire avancer. D'abord, il faut peut-être comprendre où il faut aller. Il y a une vis. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sauté. Ok, alors voilà. Ah putain, t'as sauté où j'étais. J'ai tenté de faire un moi-même tout seul, genre. Ah, ils sont chiants, hein. Deux d'affilée, ils sont vraiment chiants. Ouais. Vas-y. Ah. Non, il est raté celui-là, non? Non, j'étais au bord, hein. J'ai... Ah. Bah, peut-être t'avances plus, non? Ouais, c'est ce que je vais essayer la prochaine.
Putain, encore je vais encore avancer plus, mais je pense qu'après je vais plus être projeté. Bon, non, le premier c'est une formalité. Et là il va le rater. Voilà. C'est karma ça, il faut pas parler comme ça, c'est une formalité. Non, c'est pas une formalité, c'est une épreuve. Voilà, voilà, le karma il est là. Il est... foutu karma. Ok. C'est bon ? Ouais. Parce que je te vois plus en fait. Ah, ah non, c'était pas bon. Yes ! On a réussi. Attends. Ouais, checkpoint. Ok. Tu peux venir ou pas ? Là, imagine, c'est à toi. Oh, mais t'as l'œil, non ? Oui, j'ai un œil. C'est à toi de le faire pour moi. Non. D'où le fait que qu'on puisse traverser. Non. Bah, vas-y. Le premier, je t'aide. Enfin, dans tous les cas, tu te mets au milieu. Le premier, tu t'enfonces un tout petit peu plus de la moitié. Avancer assez de la moitié. Au moins la moitié. Vas-y. C'est bon. Et là, tu te mets full devant. Full devant. À fond, à fond. Limite, tu vas taper le truc. Sur le mur ? Limite, limite. Ouais. Ok, je suis un peu trop loin. Vas-y. C'est bon. Et là, pareil, pareil. Tout devant et limite... Nice. Ah voilà, une formalité. Ah oui, qu'on connaît les endroits. Ok. Oh, tourner, spammer. Attends, moi je dois avoir un autre, non ? Ou... Là-bas, il y en a... Je sais pas. Je sais pas en fait si nous deux, on doit être là. Attends, je vais tourner. Ah, c'est à toi. Ah oui, c'est à moi, c'est à moi. Ouais, c'est de l'autre côté, tu dois le Vas-y. Faire. T'es prêt ? Vas-y. Il y a un sol qui se construit. Non, mais c'est chez moi, faut que tu me suives. T'es qu'on inverse ? Je vais là-bas et tu viens là ? Vas-y. Ok, nice. Tourner. À moins qu'il soit invisible. Je pense pas. Essaye, vas-y, je spam. C'était vrai. What ? T'es arrivé où ? Ah bah nice ! Ah bah voilà, c'est pour ça ! Let's go ! Vous avez réussi l'épreuve des dieux. J'espère que cela vous a plu. L'épisode 1 s'arrête ici. La suite arrive prochainement. On est là. Ouais, ça c'est toutes les épreuves qu'on a passées en fait. C'était ça l'ambiance ? Ah c'est là la clé que j'ai forgée, elle était là. Enfin, je me suis démerdé. The end. Bon, ça a été un peu compliqué avec les connections lost et tout, mais ouais, on a quand même vaincu les dieux, encore une fois. C'est qui le meilleur duo ? C'est nous. Que ? Alors, regardez. Arrogant, mais 100%. Aucune prétention, hein. J'espère que cette vidéo en compagnie d'Opido vous aura plu. C'était Wofi. Même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye.